بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم عبد الحليم النعيم هيك جوار انترناسيونال ودابا اونترينور. حنا اليوم كنشاركوا في تورنوا هي اللي كتنظموا لاسوسياسيون دو لا جينيس سبور اللي عندها واحد لاكوز نوبل اللي هي كنجمعوا الفلوس باش نقدروا نحفروا ابار بحال اللي عملنا العام اللي داز في قوره ولا قريه اللي حدا خنيفره. وحنايا كنلبيو دائما الدعوه وان شاء الله يا ربي هاد لاكوز هذه هي اللي كتجمعنا. كاين فرق بزاف اللي كيساهموا والعائد غادي يكون ان شاء الله بحال اللي قلت. وكنتمناو يدوز اجواء مزيانه ومزيانه بزاف وتكون مبادرات اخرى في السنه على طول السنه ماشي غير هذا الوقت هذا. وهذا هو اللي ديالنا ان شاء الله. بارك الله فيكم. Voilà, aujourd'hui on est heureux d'accueillir le représentant de la ministre Platini, Valérie. L'année passée, il nous a fait l'honneur d'être présente, mais cette année, malheureusement, on sait qu'il est ailleurs. Mais on a quand même le représentant ici, on est très content de l'avoir et de tout le soutien qu'il nous apporte. Voilà, je vous... Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est très important pour la communauté française et en particulier pour la commune de Forêt, dont je suis conseiller communal, d'accueillir sur son territoire un si beau tournoi dédié au vivre ensemble. C'est déjà la deuxième édition et on voit l'engouement, la ferveur et le nombre de jeunes qui va croissant. Et c'est vraiment un signal très positif pour la jeunesse bruxelloise et forestoise en particulier. Bonjour monsieur Ahmed. Vous êtes l'échevin du sport à la commune Forêt. Donc pourquoi cet événement? Et pourquoi ici à Bent? Oui, effectivement, donc, je suis échevin des finances et échevin des sports. Ici, l'événement, c'est la deuxième édition. L'année passée, ça a rencontré un beau succès. Et on a accepté, donc, via l'association, de le refaire ici à Forêt, parce que c'est un des plus beaux complexes sportifs en région bruxelloise. Cet événement, d'après mes connaissances, donc c'est la récolte, donc ce sera pour une place au Maroc ou bien une ville. Pourquoi cet événement sportif et la récolte, ça va où au juste? En fait, l'association, nous, la commune, on ne s'ingère pas dans le projet. On soutient d'une certaine manière. Mais le projet, en fait, c'est de l'économie sociale dans un endroit qui est défini par l'association pour essayer de relever le niveau économique de certaines familles qui sont là. Donc elles sont choisies par l'association. Nous, on ne les connaît pas. Probablement, à titre personnel, j'irai peut-être voir plus tard le projet. Mais on ne s'ingère pas du tout là-dedans. Donc c'est un projet de l'association. Et on n'est pas du tout associé de manière directe. Et monsieur l'échevin, monsieur Ahmed, je vois que plusieurs associations ont choisi ce terrain. Quel secret? Pourquoi? Est-ce que pour la facilité d'avoir ce terrain ou bien quoi? En fait, c'est un complexe qui est très ouvert, accessible via l'autoroute, via les routes adjacentes, et en plus il y a beaucoup de terrain, il y a pas mal de vestiaires, il y a beaucoup de terrain, donc il y a plusieurs matchs qui peuvent se dérouler dans le même temps sur un seul terrain. Et donc l'association nous a sollicité, et le collège a accepté donc de mettre à disposition ce complexe sportif. Merci monsieur Ahmed, donc, et merci monsieur Abdallah, j'espère que vous pouvez faire... Je demande un petit mot, autant que vous êtes le président de l'association. Si je peux encore ajouter un petit mot. Oui, 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 bien sûr. Je vous présente M. Saïd Tariq, qui est échevin également forêt. Oui. Et donc, il a aussi, à titre personnel, contribué par un don donc, à l'association pour ce projet. Tout d'abord, je tiens à remercier le collège forestois, et en particulier M. l'échevin des sports, qui nous soutient, que ce soit pendant toute l'année, puisque nous pratiquons notre sport ici sur le site. Et pourquoi le site? Le site parce que c'est un site formidable, ça rassemble 4-5 terrains et les gens ils sont contents de jouer. Donc il y a donc, un cafétéria qui est vraiment au milieu, les gens ils peuvent
garder des cafétéria, ils peuvent observer les matchs de deux côtés. Donc c'est vraiment très bien situé, les gens ils sont contents, ils reviennent. Cette année on a 16 équipes vétérans, 5 équipes de jeunes et 12 équipes féminines. Voilà, et la récolte de ce tournoi, chaque année on choisit une ville au Maroc où les gens nous font la demande de chaque ville. Par exemple, l'année passée c'était vers Goulmine, donc on a fait un puits et on a soutenu donc une association là-bas. Et cette année on soutient une association dans la région de Khnifra. Voilà, donc, et c'était un grand succès l'année passée et cette année aussi. Et voilà, donc on remercie de nouveau le collège et les chemins de sport et tous les gens qui nous soutiennent.